Le jeûne du ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam, avec la profession de foi, la prière, l'aumône légale et le pèlerinage à la Mecque. Il correspond au 9e mois du calendrier musulman, mois au cours duquel le Coran a été révélé au prophète Mohammed. Pendant cette période, toute personne pubère doit s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le calendrier musulman est un calendrier lunaire, composé de 12 mois qui durent chacun 29 ou 30 jours. Il y a 354 à 355 jours dans ce calendrier, contre 365 jours pour le calendrier grégorien. Le mois du ramadan se déplace donc d'environ 10 à 12 jours chaque année. Le jeûne débute avec le premier jour du mois. Celui-ci est déterminé par l'apparition du premier croissant de lune. Pour déterminer ce moment, deux méthodes possibles. Le calcul astronomique, l'observation directe par deux hommes dignes de foi selon la tradition. La 29e nuit du 8e mois, Sha'aban, est appelée nuit du doute, car l'apparition ou non de la lune détermine la fin du mois. La date de début du ramadan peut donc varier d'un jour, d'un pays à l'autre.